La Victi Critique est une présentation de Sauf dans Cassette. La nostalgie livrée à votre porte. And we are back, mesdames et messieurs. Merci d'avoir patienté pendant la pause. We are here to talk Monster Hunter. It is time! Max, es-tu prêt pour unleash le load pour hey son Hunter? Je sais même pas si ça va rendre justice, man, ce que j'aurais à dire sur ce jeu-là. Genre, mais tu sais, regarde, ben, on va le dire dans le même, man. Après cette critique-là, si ça a donné le goût à une personne d'aller l'acheter, je vais être satisfait. Ouais. <laughs> Genre, une personne. Une... Parce qu'il y a plein de monde qui l'ont acheté, là. Fait que là, ça va être de trouver une personne qui ne l'a pas acheté. That's the thing, là. Mm -hmm. Genre, mais. Écoute, il y a 4 millions de copies ship, là. Si vous n'êtes pas capable de le trouver, ce là ben, euh, regarde. Sont chez vous. Exact. Fait que, go, fait que je vous start. rappelle que la victime critique est commanditée par où est une présentation de Sauf dans Cassette. On, on va vous en parler un peu plus en détail de ce magnifique partenariat qu'on a avec Sauf dans le Cassette. Let's get right into it. Max, comment yes. se trouve Monster Hunter Rise après avoir joué pendant le 12 heures, après, après une semaine presque avec le jeu? C'est quoi tes impressions euh, initiales? Écoute, Dieu. écoute, en tant que vétéran de la franchise là, qui en a joué beaucoup, si j'avais à résumer Monster Hunter Rise en un mot, ça serait « efficace ». Le, le okay. mot que je pensais pour Monster Hunter, j'étais comme « c'est efficace pour Rise ». Pas juste parce que c'est un, 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 un jeu efficace à jouer pour te, te, te divertir, mais je veux dire, le jeu est « efficient à what it does ». Je veux dire, c'est un jeu où est-ce que les « quality of life improvement » Euh, rendre le jeu complètement incroyable. Là. Je pensais pas... Écoute, écoute moi, je m'attendais à «more of the same». Je m'attendais à un peu plus de... de... The world, mais finalement ce qu'on a c'est du world avec du frou, frou qui a été enlevé que je ne m'attendais même pas à ce qu'il enlève. Moi ce que j'aime vraiment du jeu, euh, c'est toutes les, les upgrades en qualité qui ont été rajoutés. Que un peu comme un cadeau que j'avais pas demandé, mais que je suis vraiment content d'avoir. Ils ont été rajoutés dans le jeu. Parce que tu sais, il y a bien des trucs que j'ai fait comme Ah oh, c'est cool, c'est rendu comme ça, mais c'était pas quelque chose qui me dérangeait au départ. C'est juste que tu vois que. Tu vois à quel point, man, ils ont en tête avec cette franchise-là d'améliorer de jeu en jeu. Puis, honnêtement, euh, c'est ce qu'ils ont fait ici. Ils ont deliver à 200%. Euh, le jeu m'impressionne, man. Euh, j'ai un peu la même vibe quand je le boot que quand j'ai booté Breath of the Wild en 2017 sur ma, euh, sur ma Switch à minuit et demi le soir, de genre, <laughs> "Wow, man, this runs on a little console like this." Je sais que c'est du 30 FPS. Mais j'y vois qu'il y a du feu. Ça m'impressionne, ça me donne le goût de gamer. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas gamé à un jeu que j'ai le goût de jouer quand je joue pas. Tu sais, mettons, j'étais à la job genre, puis je suis comme ah j'ai le goût de jouer. Euh, j'ai le goût de jouer à un jeu là. Ça, ça m'arrive vraiment rarement, mais Monster Hunter me donne ce vibe là. Bien. Yeah. Puis euh, moi, je te renvoie la balle, man. On va ping pong forward ben oui, and back ben oui, parce ben oui. que je veux savoir toi en tant que newcomer total new de la franchise. Yep. Ça a été quoi tes premières, tes, tes, tes premières impressions du jeu? Là? Ben, co comme je dis dans, je, je dans mes notes, là, genre Monster Hunter, c'est zéro mon genre de jeu. Là. Comme, comme vous le savez, vous côtoyez le stream depuis longtemps, c'est rare en esti que je joue à des action RPG. Yeah. Puis il y a une raison pourquoi ça m'a pris autant de temps avant de pick up la série. C'est une série qui est intimidante à genre jump Totalement. in. N'importe quel nouveau joueur, puis même après avoir joué à Rise pendant 20 heures, je suis même pas sûr de savoir si je fais les choses comme du monde. Euh, yeah, man. Puis je vois le gameplay répétitif, je le sais qu'il est rempli de nuances, mais euh, je sais pas si je, je l'exploite de sa bonne façon. T'sais. Mais chose ouais, certaine, ça. tout ça étant dit. Euh, c'est que j'ai beaucoup de plaisir, mais j'ai eu beaucoup de plaisir, puis j'ai encore beaucoup de plaisir à découvrir l'univers, puis vaincre des monstres euh, que j'aurais pas pensé vaincre tout seul, parce que comme j'ai dit, c'est très intimidant de, 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 de te lancer dans, un, dans ce monde-là avec des monstres qui sont littéralement le, 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 le quadruple in size de ton personnage. Puis la beauté de tout ça, c'est que même si j'ai joué 20 heures, l'aventure fait juste commencer. C'est très vrai, tu sais, puis je veux dire. C'est quand même quelque chose dont euh, les gens qui débutent cette franchise-là doivent être fiers, parce que euh, le jeu, que, comme c'est comme mentionné dans le chat par Laurie présentement, c'est un jeu qui est tellement overwhelming mm -hmm. que je veux dire... C'est que ça passe en phase, ce jeu-là. Ça passe en phase. Premièrement, tu dois avoir le guts d'acheter ce jeu-là. Ça, c'est la première <laughs> chose que tu dois faire. Tu dois avoir le courage de... Ouais. Je mets 80 dans un jeu qui va prendre un très gros investissement, beaucoup de temps. La deuxième phase est d'apprendre ce jeu-là, euh, L'apprendre, ça ne veut pas nécessairement dire le maîtriser Puis la troisième phase, c'est vraiment de le maîtriser Et quand tu es rendu à maîtriser quest ce que tu fais Là, c'est de « polish » tout ce que tu as appris yeah. Parce qu'il y a une façon d'être optimal Il y a une façon d'être efficace Il y a des choses où est-ce que tu vas réduire ton temps de « hunt » Il y a des choses que tu vas réduire ton, te, tes, tes navigations dans les menus Pour être optimal, le plus optimal possible Je veux dire, naviguer dans les menus dans ce jeu-là et ça moi intimidant Mais quand tu sais ce que tu fais c'est vraiment, mais vraiment comme satisfaisant. Je me rappelle, euh, dans World, il y avait beaucoup de monde là, qui était comme « Ok, mais je vais où pour faire quoi? Je fais ci, je fais ça. Euh, ok, tel personnage fait ci, tel personnage fait ça. » C'est une des « Quality of Life Improvement » de World. Pour ceux qui ont joué à World, tout ce qui est menu, tout ce qui est trucs euh, Optional Quest », name it, a tout été simplifié. Comme par exemple, dans World, tu avais un centre de recherche où est-ce que tu allais « pick up » des side quests que tu faisais pendant tes mettons Uh, gather 8 mushrooms pendant que tu hunt. Présentement, c'est rajouté dans ton système de quest. Fait que où tu vas faire ta quest, tu as une section quest optionnelle où tu peux en choisir 5. Mm -hmm. Tu les complètes pendant que tu les pendant que tu fais ta hunt. C'est un petit quality of life d'avoir enlevé un personnage, d'avoir enlevé une étape de plus euh, qui simplifie la chose. Et th this is what this game is all about. Enlever yeah. le, le fluff, comme je dis. Comme pour commencer dans les Quality of Life, moi, ce que j'ai aimé et quelque chose que j'avais zéro demandé et qui me dérangeait pas tant, le, le gathering system d'objets a été amélioré. Euh, c'est pas quelque chose qui dérangeait, mais c'est un changement auquel j'aurais pas pensé immédiatement. De mettons, tu as un mining outcrop, tu donnes un coup de pickaxe et tu as tout ce que le outcrop ouais, te donne. Ouais, ouais. C'est complètement fou parce qu'avant, c'était un 10-15 un secondes de voir ton okay. bonhomme cogner. Après ça, il recognait. Après ça, puis des fois, quand tu pognais un élément rare, il cognait, il faisait le saut, il recognait, puis il pognait l'item. C'était long. Ouais. Ça me dérangeait pas. Mais là, de savoir que maintenant, c'est claque puis j'ai tout, man, je veux dire, je peux plus m'en passer, là. Tu comprends, mm -hmm. là? Je veux dire, c'est comme, yeah. comme quelque chose que je vais être comme... Ah, oh, c'est pas la première fois que j'aurais changé sur ma liste, mais... At the very least, je suis vraiment content que ce soit là. L'aspect tout collecting, gathering a vraiment été simplifié pour que les gens qui apprennent le jeu pour la première fois se sentent pas complètement overwhelmed par un paquet de menus qui fait pas de sens. Non, c'est ça. Que... Puis une, une affaire aussi que je pense que Capcom était conscient avec Rise, c'est que la Switch en tant que telle, c'est, tu sais, ils savaient que Rise allait être l'initiation pour plusieurs joueurs, ouais. nouveaux joueurs en fait, euh, à Monster Hunter. Pis ce que ce que je trouve qui est, qui est fantastique de, de, de Rise, pis ça apporterait une précision Versus comme justement les autres Monster Hunter C'est à quel point qu'on dirait que le jeu fait du sens pour la plateforme Genre parlant de ça là, je comprends même pas que, comment ça se fait que c'est un jeu de Switch là, Comment ce jeu là fait pour runner genre impeccablement sur la Switch sans problème Sans, sans oh, euh, frame rate drop ou whatever, c'est ridicule C'est la, la console la moins performante sur le marché puis comme c'est one of the best looking games sur la Switch. On s'entend que c'est peut-être pas le framerate le plus haut. Là, ça rentre à 30 FPS. mais c'est un fucking 30 FPS, genre... Incroyablement stable. Euh, lo euh, les loadings, comme Leray a dit, genre les loadings entre les, 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 les zones dans le hub. C'est crazy. shockingly fast, man. Yeah. Tu sais, hier, je m'en suis rendu compte. Ben, je savais que c'était vite d'un hunt in and out. Je me rendais, rendais compte que j'attendais pas longtemps. Mais quand j'ai tenu select pour aller au Body Plaza, puis ça a été instant, j'ai fait comme... Oh, OK, we got something there. Mm -hmm. Mais ça a l'air que la flash memory de la Switch est comparable à un SSD quand c'est bien fait. Fait que, genre, c'est comme, c'est surprenant-ish. Mais euh, c'est parce qu'on n'est pas habitué, même on, on est vraiment pas habitué à avoir de quoi de, de rapide de, à, à avoir de quoi de bon c'est la, la plateforme en fait. Ça devrait <laughs> être ça le standard, mais on n'a tellement jamais ça qu'on est comme waouh nous, mais c'est exactement. Ouais. Yeah. Mais attends, euh, juste comme as mon dit, point C'est euh, aussi comme quoi que la, la façon que c'est structuré avec les quests Genre individuels. C'est comme une quest typiquement, ça dure comme un, un 15 minutes. Fait comme, c'est le jeu parfait à juste comme prendre en handheld mode, aller faire, genre, aller, aller aux toilettes ou genre, euh, pendant que t'es dans l'autobus ou whatever, tu fais une hunt, ça finit là, tu fermes le jeu, puis tu recommences quand t'es revenu chez vous, puis que t'as comme le, le, le full comme experience sur ta TV. Pour vrai, c'est un jeu où est-ce que je me vois faire comme, ah, ok, genre, j'ai euh, un 10 minutes, je sortir ma Switch, je joue en handheld mode, je fais une quest, puis that's it, that's all. Là. Mais it makes sense, genre, sur la plateforme. C'est ça, c'est le choix logique parce que Monster Hunter de base est devenu euh, au, au, au détriment de, des Nord-Américains des Nord puis du Western market, est devenu portable. Mais ça, c'est à l'avantage du Japon parce que les gens ne, ne gagnent vraiment pas beaucoup sur leur console de salon yeah. au Japon. Donc, c'était vraiment à l'avantage du Japon que ce jeu-là est devenu portable over time parce que tout le monde pouvait l'enjoy whenever, wherever they liked. Puis. Euh, maintenant sur la Switch, les deux mondes sont possibles. Donc je pense que c'était vraiment le choix le plus sensé. Comme tu dis, it, mm -hmm. make, it makes total sense. Puis non seulement ça, mais World, étant le premier jeu qui revenait sur console de salon, offrait une expérience vraiment plus grosse, grande, qui prenait plus de temps, etc. Tandis que sur Rise, tu vois que le focus est. Le Quick Pace Hunt qui est pas trop long. T'sais, comme j'ai pas une hunt qui m'a pris plus que 20 minutes so far, mais I know what I do. T'sais. Ouais. Fait tu sais, à la maison, si vous êtes en train de jouer, ça vous prend 45 minutes, tu un monstre. C'est normal, c'est parce qu'il y a une maîtrise de votre arme que vous comprenez pas encore. C'est correct. T'sais, tu comprends? Genre, tu vois, ça va juste aller en s'améliorant, ça n'ira pas en s'empirant. Mais c'est tout à fait normal. Je veux dire comme je me rappelle la première fois que je jouais à Hammer contre des monstres fast pace dans World. Je pouvais pas placer un coup, mais Hunt durait forever. C'est parce que ce monstre-là est probablement fait pour être kill par quelque chose d'autre qu'un hammer qui est trop slow. Et c'est là que le multiplayer entre en jeu. Et c'est là que t'as du fun quand t'as tes chums avec toi. Mm -hmm. Puis que tout le monde a son rôle. T'sais, tout le monde est là que le Dual Blade, Max Rand fait du DPS en à côté. Pendant que moi, je charge mon hammer en arrière. Puis que quand le monstre est essoufflé, je le stun à terre. Puis j'ai fait du méga gros damage. Tu sais, je veux dire, comme tout le monde a sa place un peu. Puis c'est pour ça que. C'est un des jeux les mieux balancés de l'histoire, man. Là. Les 14 classes d'armes. Dans yeah. ce jeu-là, il n'y a pas de mauvais weapon. Il n'y a seulement que des ouais. weapons que tu n'as pas envie de jouer. That's it, that's all. <laughs> Il y a des weapons que tu vas jouer et tu vas faire comme, non, c'est pas pour moi ce gameplay-là. Mais c'est balancé à un point où est-ce que la personne qui trouve que cette arme-là est bonne va torcher avec. Il n'y a, y a pas de. Ça, ouais. y a, y a, il a pas rien d'OP, il a pas rien d'underpowered, c'est juste balance. là, C'est fin, man, comment c'est passé au ping, genre le balance de, de toutes euh, les weapons et stuff like that. Tu sais. C'est une question Pis... aussi de, de, de justement apprivoiser son euh, son weapon. Là. Comme tu l'as dit à plusieurs reprises euh, sur ton stream, là, c'est comme. Quand tu joues en Monster Hunter, tu joues un weapon puis tu vas jouer pretty much le l'entire fucking time que tu joues au jeu. Si c'est rare, ben c'est sûr que tu peux expérimenter puis mixer match avec les, les autres weapons. Là. Mais comme pour vraiment avoir comme une maîtrise, t'as comme pas le choix d'investir euh, yep. la, la majorité de ton temps sur un weapon pour comprendre les nuances puis à quel point genre les mécaniques peuvent être euh, poussées à leur maximum. Puis je veux juste rassurer le monde dans le chat présentement. Il y a Cool Manscaped Boivin qui disent c'est pas un jeu conseillé pour quelqu'un qui a pas d'amis. Totalement faux. Le jeu s'enjoie à 200% ouais. tout seul. Il va juste falloir que tu changes de weapon peut-être des fois. Mais faut pas oublier non plus que Monster Hunter a une des meilleures communautés en ligne au monde. C'est des gens qui sont zéro toxiques. Tout le monde veut s'aider. Tout le monde est là pour que l'autre ait l'enjoyment du jeu. Parce que tout le monde veut que ce jeu-là soit aimé. Fait Il n'y a personne qui va faire une, une réputation de merde à ce jeu-là. Tout le monde veut que ce jeu-là ait du love. Mm -hmm. Fait que tu sais, tu pars un lobby, tu as un filtre, là, puis dans ce filtre-là, tu écris Moi, je veux chasser ce monstre-là présentement. Je veux jouer avec des gens de n'importe quel langage, de n'importe quel hunter rank. Euh, puis je pars mon lobby, les gens vont te joiner. J'ai ouvert un lobby hier, il y a trois Japonais qui ont rentré dans ma game. On est allé jouer <laughs> un monstre ensemble. On s'est donné un like à la fin, puis ils sont repartis. Ce jeu-là et possible d'être joué tout seul même en utilisant la communauté online c'est c'est vraiment excellent man, de, de, de parce que tu dois tout mettre de ton côté pour battre le monstre tu sais voulant dire tu changes pas de perso tu peux changer de weapon oui mais tu peux garder ton weapon puis faire you know what non je vais juste caller du monde for mm -hmm. help pis ça c'est une grosse mécanique qui a été simplifiée dans world dans le temps tu pouvais caller un flare d'un heirs puis le monde pouvait rentrer dans ta game at any moment yeah. ça a été encore mieux fait cette fois-là de la façon que c'est fait là puis, je voulais juste revenir sur les weapons, vite, vite, quand je disais que c'est le fun de, de switcher de weapon ou whatever. Le design des weapons est revenu vraiment extraordinaire. Dans World, les weapons, j'ai trouvé toutes dégueulasse au look. Genre, c'était vraiment comme un marteau, un marteau avec trois plumes, un marteau avec quatre plumes puis une branche. Là, maintenant, c'est rendu que j'ai des, des marteaux qui ressemblent même pas à des marteaux. J'en ai buildé un hier. C'est un, un pizza cutter, là. C'est un slicer, man, avec un, un truc en bois. Puis comme, man, le, le weapon a l'air d'une blade plus que d'un hammer. Il y a même un gun hammer dans lequel tu peux mettre des ammunition de gun dedans, puis il explose les hameaux quand tu frappes sur le monstre. Yeah. C'est complètement fou comment ils ont fait des designs de weapons incroyables. Puis le, le weapon collecting, puis le armor collecting est quelque chose d'un autre quality of life improvement maintenant. Tu collectionnes les armes et les, et les armures dans tes coffres, mais ils sont classés par 7, ce qui donne vraiment le goût D'avoir chaque set d'armor dans le jeu parce qu'avant yeah, c'était un yeah, coffre yeah. pile-mile ouais. dans lequel tout était perdu. Tu étais comme je veux juste la meilleure, je me sac des autres. Là, j'ai le goût d'avoir mon coffre plein avec un piece d'armor de, de toutes les monstres dedans. Mm -hmm, C'est ça. Okay. Puis juste le, le, le satisfying factor d'avoir comme. Ben, comme je t'ai envoyé la photo, là, je suis comme Moi, je veux le yep. de, de, de set du tétranodon parce que je trouve qu'il est cool ou whatever. Là. Genre yep. ça aussi, ça, ça l'ajoute justement au fait de. de, de de refaire les runs les, les sur le monde spécifique pour avoir cette armor set là Pour répondre aussi à CMS qui dit que si t'as pas d'amis tu peux pas enjoy le jeu Mais l'affaire qui est cool avec Rise c'est que son single player aspect est totalement euh, dissocié du multiplayer parce que tu peux pas faire la quest principale, la village, les village quests comme qu'ils appellent dans, dans Rise avec tes amis c'est comme quelque chose de complètement séparé puis les village quests se font juste en solo fait que si tu veux justement voir euh, le, 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 le story du, du Calamity puis de tuer le, le Magnomalo euh, qui est le monstre que vous voyez justement là, le, le monstre flagship euh, du, du jeu, ça peut être fait totalement en single player. Là. Je tiens juste à préciser par exemple que pour ce review-là, ni Max ni moi on est rendu en high rank dans le jeu, non, le jeu ça. commence en high rank, yeah. le low rank c'est vraiment pour t'apprendre comment maîtriser le jeu. Quand tu tombes en high rank, toutes tes armures reset, mais pas reset, dans le sens tu les as toutes encore dans ton coffre, mais tu as une version alpha et bêta de chaque set. Fait qu'admettons, je te donne un exemple, euh, l'armure de leather va avoir un leather euh, A et un leather B. La différence entre les deux types d'armure, c'est que. L'armure A va avoir beaucoup plus de skills dessus, mais tu pourras rien modifier sur l'armure. L'armure B va avoir moins de skills, mais des slots pour mettre les skills que tu veux. Donc, c'est une armure qui est customizable. Le look de ces armures-là change à 100% aussi. Comme, admettons, l'armure tétra... de Tétranodon que Max a, quand il va arriver en high rank, il va vouloir la recrafter. Elle va être beaucoup plus polished. Son personnage va avoir des épaules un peu moins larges, mais un gros casse la tête. Ça change, le look change au complet. Mm -hmm. fait que ça te donne le goût de push ton grind encore plus et de comprendre le jeu. At a different level when you're tombes in high rank. C'est un jeu dans lequel t'as pas besoin d'autres jeux pendant longtemps. Non, c'est ça. ça c'est un jeu que tu énormément de temps pour euh, créer tout ton, ton, ton personnage, puis maîtriser les weapons puis tout ça. Parlant de maîtriser les weapons, un autre affaire qu'ils ont rajouté dans ce jeu-là pour varier le gameplay, tu as des skills que tu unlocks maintenant. Euh, ça change tes special attacks sur tes weapons. fait que si tu un peu de comment ton, ton arme se joue, mm -hmm. euh, tu peux débloquer d'autres euh, attaques spéciales que tu peux mettre. Puis quand je dis une attaque spéciale, c'est que les attaques spéciales, il faut vraiment que tu les maîtrises. Comme par exemple avec mon marteau, moi j'ai une attaque que je me lance dans les airs et je me mets à faire des flips. Ça, si je le time pas au bon moment, mon flip est complètement inutile. Je viens de perdre une wirebug, ça yeah. sert à rien. Fait que je veux dire, là je peux changer ça pour un dash breaker qui est que je rentre avec mon marteau dans l'ennemi, ça le stun et après ça je peux partir une tornade. Mais j'ai décidé de garder quand même mon, ma catapulte parce que je suis quand même capable de la maîtriser. C'est quasiment comme jouer au golf, hein, ça. Genre je aime mon shot. Puis là, j'essaie de all in one my way through the yeah. enemy. T'sais, même ça marche. Et je sais pas si on l'avait mentionné, c'est tellement d'informations en même temps, mais comme je dois dire que pour un noob player, c'est facile de, de rentrer dans, dans Rise parce que le jeu, au moins, il t'explique genre les fundamentals of the RIP. Yep. Fait comme yep. si justement, vous êtes comme « oh my god, il y a tellement d'affaires à, à, à lire, il y a tellement de tutorials, comme le jeu fait quand même une, une bonne job d'expliquer. De, comme les notions de base pour qu'après ça tu puisses justement faire des hunts par toi-même puis découvrir des affaires parce que c'est ça aussi que j'ai réalisé au cours de, de mes heures de jeu c'est que le fun aussi de Monster Hunter c'est de découvrir des affaires par toi-même un peu comme oui. justement dans un jeu comme, euh, comme Dark Souls où est-ce que tu lis justement les, les descriptifs des, 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 des items puis des, des weapons, c'est un peu la même chose dans Monster Hunter. Là. Faut vraiment que, que, que tu te dédies, man, que tu te dédies justement à la compréhension exact. du jeu, parce que c'est sûr que si t'es comme « Bon, ben moi, je vais jouer un une heure, puis euh, ça va me faire mon opinion du jeu », tu vas passer ben totalement non. à côté de la track puis moi, habituellement, c'est ça que je fais avec euh, mes jeux, tu sais, comme je joue un une heure, j'ai comme... j'ai Au moins, j'ai un portrait global, mais ça marche pas dans le cas de Monster Hunter, mais pas du tout. Là. Exact, tu sais en plus... Euh, ben comme tu dis, man, les tutoriels sont là, mais on t'explique un peu c'est quoi un œuf, c'est quoi de la farine. Mais c'est à toi de découvrir comment faire le gâteau et à quoi tu le veux. Hey, j'aime ça, genre... j'aime ça. Mais, mais, mais c'est ça pareil parce que de base ça va t'expliquer comment faire tes attaques, mais ça t'expliquera pas les combos de ton arme. Faut que tu les découvres. Il y a des forums, et il y a des wikis dédiés à ça, où ce que le monde fait. Honnêtement, ce jeu là, ce jeu là, on a besoin d'expliquer aux gens quels combos qui sont efficaces. Il y a du monde qui découvre des combos, comme j'en ai vu un. Euh, avec la longsword hier ou est-ce que c'est un, un, un spin sur toi-même que tu finis en cheatant ton arme quand le monstre t'attaque, tu le counter puis tu pars en, en, avec 14 spirit blade après le monstre est quasiment insta stun mais le jeu t'explique ça nulle part c'est juste ça. du monde avec les erreurs qui ont fait cette attaque là de cette attaque là de cette attaque là c'est infaillible fait que genre vous pouvez faire ça tu sais puis genre je veux dire c'est découvert parmi la communauté parce que veux, veux pas on apprend ces monstres-là en gang, on apprend nos armes en gang, on apprend à chasser en gang. C'est un, un effort de communauté que de répertorier comment jouer ce jeu-là comme du monde. Yeah. Puis c'est ce qui fait que ce jeu-là a une aussi belle communauté. Man. Les gens aiment se donner et apprendre comment ce jeu-là marche. C'est pas un jeu dans lequel tu peux genre te vanter d'avoir la meilleure armure et la meilleure weapon sans avoir be eu besoin de l'aide de personne. Mm. Which is amazing, ouais, parce que ouais. j'aime pas les jeux de gros cocky dude qui est comme « Yeah, je peux tout faire tout seul. Non, man, I, I love me some Monster Hunter multiplayer. » Au bout, il dit « Donc, c'est pas vraiment un jeu pour quelqu'un qui aurait peu d'heures à mettre. Tu sais, genre, 3 heures par semaine, ça va être trop long pour manquer dans le jeu. » Ben, effectivement que si tu joues 3 heures par semaine, tu vas avoir de la misère, justement. À, comme get a groove, puis vraiment savoir what the fucking game is all about. Là. Yeah, man. Oui. C'est vraiment un jeu que c'est ah. comme un, un wow. là Il faut vraiment que tu investisses beaucoup de, de temps, pis de, 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 de recherche, pis de ci, pis de ça. Là. En fait, en plus, comment je pourrais. Il y a CMS qui disent c'est pas un jeu casual que tu joues on the side. C'est ça qui est bizarre. Au début, non. Après, oui. Parce que moi, présentement, je suis capable de jouer à ce jeu-là 15 minutes here, 15 minutes there. Je vais faire une hunt, je, je, je ramasse des pièces, mm -hmm. ma game augmente, ma game continue. Je suis en train de chasser pour me faire des armures, whatever. J'ai pas besoin de mettre tout mon temps là-dedans. Mais genre, je peux me reploguer, faire une coupe de hunt. C'est juste qu'au début, il y a tellement d'affaires. Il, il y a tellement d'affaires que. Tu, tu dois apprendre au départ. Je te dirais qu'il va falloir que tu fasses comme un 10-15 heures très focus et ensuite tu vas être capable de rentrer dans le jeu en 15-20 minutes à tous les jours. Mm -hmm. Mais non, Obo, ce n'est pas un mauvais design que de ne pas tout dire aux joueurs. On est tellement gâté niveau gaming, niveau tutoriel, niveau hand-holding dans les jeux exact, que ouais. ça fait du bien, une fois de temps en temps, un jeu où est-ce que tu découvres par toi-même la surprise d'eux. Parce que même si j'irais voir... Tu sais, tu vas voir le trailer de ton arme dans Monster Hunter, tu vois le gars faire des special attacks, il te mentionne pas c'est quoi les boutons, mm -hmm. tu les vois, tu vois que c'est possible de les faire. How do I do it? Parce que dire que c'est un mauvais design, pas dire aux joueurs une mécanique, c'est dire que les finishing dans Mortal Kombat, c'est un bad design, c'est dire que dans Dark Souls, d'explorer le monde, c'est un bad design. C'est le fun une fois de temps en temps de pas se faire tenir la main puis d'apprendre le jeu puis d'apprendre les stratégies soi-même parce que, at the very least, tu es fier de toi quand tu as amassé du knowledge. C'est à 200% la raison pourquoi ce jeu-là a un high reward, high risk euh, constamment quand tu joues. Là, t'sais, parce que tu t'en vas quand même euh, perdre un 20 minutes sur quelque chose qui peut te tuer puis te faire perdre 20 minutes de ton ouais, temps en tout ce que tu apprends. Tu es so happy. T'sais. Yeah, pis c'est drôle okay, que tu yeah. mentionnes justement toute la, la notion de hand-holding parce que j'avais un peu le même feeling en jouant à Monster Hunter que quand j'ai commencé à jouer à Dark Souls. Comme genre. Tu sais, j'avais comme la notion de qu'est-ce que Dark Souls était, mais c'était quand même intimidant parce que justement, toute la, 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 la compréhension de, de, des mécaniques puis tout ça. Pis une fois que tu get a groove avec Dark Souls, c'est easy to zit, c'est pas pendu comme Monster Hunter. Mais j'avais justement yep. ce facteur intimidateur là Pis. Comme, comme j'ai dit, oui, euh, j'ai bien beau jouer euh, 20 heures, je me considère pas encore un expert de Monster Hunter, mais au moins, je peux get around, puis genre, faire des quests, battre des monstres, upgrade mon personnage, upgrade mes armes, puis avoir euh, une expérience satisfaisante dans tout ça. C'est ça, Puis euh... tu sais, je veux dire, hier, hier j'ai joué avec quelqu'un aussi, puis la personne, la personne, comme, ça faisait un bout qu'elle jouait, puis elle était comme, tout C'est-tu vois les monstres sont plus difficiles, on dirait que je rentre dedans, puis je fais pas le damage que je devrais faire. » J'ai fait, « Est-ce que tu connais tes special attacks ?»« Non. » Le jeu te les, te, te les dit, tes special attacks, c'est rendu en combat, how do I do them, tu comprends? Puis mm -hmm. euh, là, tu vois en ce moment, Max vient, tu le vois dans le gameplay, là, Max vient de se déplacer super vite. Ça, c'est quelque chose de très important à maîtriser. Les Wirebugs bugs sont ouais. une partie vitale. Mais c'est là-dessus, des, je voulais qu'on ton... qu qu transitionne, genre les, cha les, les changements avec justement les, 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 les pal palamutes, les, les palicos, les wire bugs, puis tout ça. Euh... Yeah. Moi, je trouve que, ben, tu sais, comme c'est mon premier Monster Hunter, pis je suis comme, man, c est, c est, je verrais pas un Monster Hunter sans ça, là. Genre, encore une fois, it makes yep. fucking sense. Toi, de ton côté plus vétéran, comment tu trouves ça? Ben, surtout les Wirebox, on a jasé, là, mais juste le fait que ça peut être... Euh... vont revenir à 200%. Ouais. C'est juste trop un insane. Euh, ils, ont, ils ont commencé à expérimenter avec ça dans World parce qu'ils donnaient des mounts à un moment donné, mais c'était les petits ennemis, comme tu vois ça la map présentement dans le gameplay. Mm -hmm. euh, tu avais des chats sauvages qui te, te permettaient de les apprivoiser, puis tu pouvais en caler un à un moment donné, un ennemi de même. Puis euh, tu le ridais jusqu'au monstre, tu le contrôlais pas vraiment. C'était la base, c'était le squelette de ce que les, les Palamots sont devenus. Et les Palamots, comme les Palico vont être présents dans chacun des Monster Hunter après, c'est sûr, à 100% les Wirebugs, OK là c'est là où je vais en venir là. it's too good to be true OK les Wirebugs, <laughs> là c'est une des c'est méca... la meilleure gimmick qu'ils ont mis dans un monster hunter so far OK c'est incroyable ça, ça change la le, le gameplay, la verticalité man. du du gameplay ça change how you can escape from combat, ça change tes moves, ça change les attaques. Ça te donne autre chose qu'une stamina bar. Parce que là, maintenant, t'as deux stamina bars à gager quand tu y penses. T'as ta stamina à toi, mais t'as ta stamina de wirebug, de genre, quand est-ce que je peux ouais. pull out tel move, tu sais? But it's not gonna come back. c'est <laughs> ça qui m'attriste vraiment beaucoup. L'inévitable World 2 va être annoncé éventuellement. Un nouveau Monster Hunter va sortir Next Gen, c'est sûr et certain à 300% parce que c'est pas vraiment un step forward dans la série ce jeu-là. C'est plus un, un step en diagonale ou un spin-off, mettons, si on veut là. Ouais. Mais ça va pas revenir. Puis la raison pour laquelle ça ne reviendra pas, c'est pas parce que c'est mauvais. C'est parce que Capcom, dans chaque Monster Hunter, ajoute et enlève une gimmick. Et les wirebug, étant donné qu'il faut que ça revienne, moi, moi je souhaite que ça revienne. Mais par expérience dans les autres jeux, ça va disparaître. Il va, y va avoir place à d'autres choses. Le traversal va rester, mais ça risque d'être autre chose. Peut-être un grappling hook ou whatever else qui n'est pas une wirebug. Ils vont peut-être enlever. Ils vont peut-être comme modifier le wirebug pour être un grappling hook qui n'a pas de de, 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 de cooldown en bas. Je suis en train de faire un, un OCV, <laughs> -tu? Mais genre, c'est <laughs> ça. Non, non, comme, il n'y aura peut-être pas de cooldown en bas. Mais tu vois, dans Rise présentement, les Scout Flies sont missing. Le Slingshot sur le bras est missing. C'est des mécaniques que le monde était comme wow, c'est génial, c'est extraordinaire. Ouais. Dans Iceborne, ils avait rajouté la claw. C'était vraiment une claw qui permettait d'être accroché sur les ennemis, mais juste sur les ennemis seulement. It's missing. Les Wirebugs sont back. Le riding de monstres est rendu est ça, incroyable ouais. avec les Wirebugs. C'est ça que j'allais dire raid. aussi. Avec le Wirebug, tu peux ride des monstres. Mécanique que je trouve qui est nice. Mais sans plus Tu sais là je, je sais pas à quel point Tu Contrairement aux autres Monster Hunter là, Je sais pas si ben... tu peux les, les, les rider D'une façon ou d'une autre Là c'est dans, le, dans le World qu'ils ont commencé avec le mounting. Le mounting, comment ça marchait, c'est que si étais capable de frapper en haut de la hitbox d'un monstre dans un délai... Fait que, te j'ai un exemple comme euh, au début de la fight, tu, tu frappes sur le top du monstre, ton personnage s'accrochait, le monstre fait un rodeo avec toi. Fait que toi, tu, es dessus tu fais que le stabber à l'infini, puis lui, il essaie de se débarrasser de toi. Okay. es capable de le knocker à terre, mais tu ne contrôles rien. Mmh. Je pense qu'en regardant ça, ils ont fait comme « Man, ça serait vraiment cool de pouvoir contrôler l'actual monster. Ouais, » Puis c'est vraiment cool, mais c'est très basic. C'est très non, genre, ça, exact. les deux attaques des monstres. Mais il y a quelque chose, par exemple, que j'ai découvert euh, avec euh, Sam, un, un de nos bons amis qui a joué avec nous autres chez nous. Quand tu pèses par en bas sur ton joystick, tes attaques changent. Fait que genre mettons le monster t'as ton X, t'as ton A, mais si tu fais joystick down, X, A, c'est deux attaques différentes. Fait que le monster a actuellement un move set complet. Fait que ça mettons mmh. comme euh, le ratien, j'étais comme ok, je donne des coups de griffe, donne des coups de pattes, mais je peux tu cracher du feu. À l'arrière X te fait cracher du feu. Ah ben. Tu comprends, genre, c'est nice, ça rajoute un petit. That's euh... Monster Hunter, chat. C'est encore une fois l'aspect de discovery pis d'essai d'erreur, de man. Exact, tu sais, pis ça, ça donne le exactement comme Max vient d'avoir, c'est l'enfer la plus genuine ever, le. Oh, c'est bien. Ah, tu comprends, c'est de ouais. même que tu que tu ce jeu là en ayant des ah moments quasiment constamment, tu sais. comme en ce moment aussi hier, on est allé faire une expédition moi et Red, on débloque les maps tranquillement comme là dans la map de neige. J'ai commencé, j'ai débloqué les deux camps additionnels qui vont me permettre de fast travel à deux endroits de plus. Les wirebugs », je me suis rendu compte comme là tu viens d'en unlocker, t'es passé à côté d'une, ouais. mais les wirebug euh, c'est toutes des points reliés sa map pour te déplacer très rapidement les great wirebug fait que tu peux te déplacer sur la map man. en dans d'une minute tu peux faire le tour de la map au complet t'sais. OK fait que euh, tu les débloques puis sont toutes aussitôt que tu lends en en utilisant une il y en a une autre proche à côté fait que tu les débloques toutes comme ça tes okay, fast ouais. points mais euh, ta map devient de plus en plus facile à naviguer, tes huns vont aller de plus en plus vite, puis des huns qui vont vous prendre 25 minutes, ben vont commencer à vous prendre 10 minutes à l'onde, c'est ça qui mm -hmm. est cool. T'as pensé quoi que... des, euh, des rampage quests? Ça, c'est une nouvelle affaire aussi qu'ils ont ajouté, qui, des, qui sont des quests un peu plus euh, tower defense, tower defense. Euh, dans le jeu, parce que le jeu typique, c'est ça, c'est comme t'es lancé dans une zone, euh, tu huns ton monster. Puis tu le tues, puis that, that's pretty much the quest. Ouais. Mais là, ils ont implanté les Rampage Quests que c'est littéralement ta, ta, ta base que tu dois protéger, tu set up comme tes, euh, tes weapons, puis euh, tu défends, te tu défends contre des vagues euh, de monstres. C'est En fait, c'est une upgrade d'un un système de quest qui était dans Monster Hunter World, qui était très basic. Euh, T'avais un gros dragon qu'il fallait que tu repelles, qui s'appelait le Zora Magdaros, qui était comme un, un, un dragon de la grosseur d'une montagne qui rampageait à travers une cité, une, 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 ben, comme le, 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 mm -hmm. le site de Monster Hunter World. Il fallait que tu mettes des balistas, fallait que tu remplisses des... des, des fallait que tu mettes des balles dans les canons, etc., pour le tuer. Là, ils ont enhance ça pour que ce soit comme vraiment un tower defense, où est-ce que t'as des bases à défendre. La vie de la base descend, actually, c'est quand même comme comme mode. Moi, j'adore beaucoup, mais la raison pour laquelle j'aime... C'est pas nécessairement parce que le gameplay est si changeant que ça. Parce que le gameplay change quand même, là, tu vas peut-être tuer une trentaine de monstres dans ces missions-là, mais ils crèvent ouais. en genre 20 coups. C'est mm -hmm. vraiment pas pareil. Ben, parce ça, qu il parce qu il que les pas vraiment, ils s'en vont. Ils disparaissent, genre ils s'évaporent. Mais c'est ça parce que ouais. c'est pas des missions où est-ce que tu vas utiliser tes weapons que typiques. Là. Comme moi, j'ai pas utilisé mes Dual Blades dans ces missions-là. J'ai utilisé justement les gros canons qui font genre 30 de dégâts quand tu tires sur un, un monstre là. Ouais, la, la, la raison pour laquelle j'aime ces quests-là, puis je vais l'expliquer, puis ça, ça va vraiment appeler plus aux vétérans de la franchise, mais je vais essayer de l'expliquer to the best of my knowledge pour que vous compreniez. Là. Dans le temps, il fallait farmer des gems pour upgrader nos weapons. Euh, de, la, de la façon la plus optimale possible. C'est-à-dire, admettons, il y avait des gems d'attaque que quand tu mets ça, bien, ça augmente ton attaque de 15%. Puis de la façon que les gems fonctionnent dans Monster Hunter, c'est cumulatif. C'est-à-dire, si tu as 3 gems sur 3 de tes pieces, tu unlocks le level 3 de ce skill-là qui va être un bonus de 50% d'attaque, admettons. Okay. Si tu en as 4, ça va être 75 jusqu'à 100, admettons, là, quand c'est des gems à 5 levels. Maintenant, à chaque fois que tu fais une de ces missions-là, un des, des, des villages de défense, ton unlocks. Un, euh, un ticket, un defense ticket, que ces tickets-là, tu fais juste les redeem sur ton weapon pour upgrader et rajouter euh, un, un skill. Fait que maintenant, tu n'as plus à farmer comme un débile pour, pour une gem qui va dropper euh, peut-être dans 40 heures ou dans 2 minutes parce que tu n'en as aucune idée vu que c'est random. Mm -hmm. Maintenant, à chaque fois que tu fais des defense missions, tu as des tickets. Ces tickets-là te permettent d'upgrader tes weapons. Encore là, quality of life improvement, ça coupe le, le grind d'à peu près. Je te dirais 80% pour upgrader tes armes. Parce que, man, des attaques gem dans World, il y a des gens qui ont joué 300 heures et ils en ont eu deux. Ça donne une, ça donne une ben idée. Ouais là, ouais là, quand, versus, mettons, là-dedans, tu vas faire euh, 15 heures de défense de, de, de village. Tu vas avoir des centaines d'étiquettes. Tu vas pouvoir ajouter toutes les skills que tu veux sur tes weapons. C'est fantastique. Le système d'upgrade de weapon aussi est rendu comme ça. Maintenant, au lieu d'avoir besoin de schemes précises pour upgrader une weapon du même niveau, fait que, mettons, euh, Max, toi, tu joues du World Blade, je sais pas c'est quoi le nom de tes blades, mais s'il y en a une deuxième version, au lieu de refaire un scheme en prenant des morceaux de monstres, tu dépenses des morceaux de monstres aléatoires dessus mm -hmm. pour l'upgrader. Ça coupe encore une fois le grind. C'est pensé pour être moins mindless niveau RNG, yeah. puis niveau random drop, et ça, c'est excellent. C'est absolument excellent. Alright, man, fait qu'avant. 12 qu sur 10. <laughs> Avant qu'on vous dévoile non, notre score, parce que c'est un score collaboratif qu'on a fait. Ouais. C'est pensé justement en fonction de tout le knowledge de Max, puis moi, mon knowledge de... De, de justement, Noob, je tiens à vous rappeler que la Victi Critique est une présentation de Sauf dans la Cassette, la référence en rétro gaming depuis 2015. Sauf dans la Cassette, c'est une boutique qui est spécialisée dans les jeux vidéo rétro, mais aussi dans les jeux un peu plus récents, avec une variété de jeux, de consoles, d'accessoires renouvelés à chaque jour. En fait, leur mission, c'est de procurer aux joueurs. Euh, nostalgique, tout le plaisir qu'ils ont ressenti avec leur console de jeunesse et aux collectionneurs la joie d'ajouter euh, à leur collection des jeux de qualité au meilleur prix. Comme vous pouvez voir, le site web, vous pouvez visiter le www.soufdancassette.com pour, pour voir leur inventaire complet. Puis en plus de ça, ils ont une boutique en physique euh, à Sainte-Sophie, donc si vous habitez dans les Laurentides. Euh, puis vous voulez encourager local parce que God knows que c'est important surtout ces temps-ci. Achetez yes. vos jeux chez Sauve dans la cassette. Euh, ils ont également une page Facebook que vous pouvez suivre euh, puis un Instagram où est-ce que leur euh, inventaire est mis à jour euh, pretty much euh, on the daily. Facebook.com/slash Souffre dans cassette at Blow in the Cartridge sur Instagram. Fait que yeah, merci beaucoup à Sauve dans Cassette je, je de euh, commanditer ce segment de la victime minute. Yeah, je tiens à préciser aussi comme Max a dit, euh, des shops de Retro Gaming, souvent c'est vraiment beaucoup pour les collectionneurs. Euh, nous, c'est vraiment pour tout le monde. Comme Max a dit, c'est-à-dire si vous cherchez une super NES pour jouer à Mario World, euh, venez chez nous. C'est vra vraiment comme pour tout le monde. C'est pas juste pour acheter des big pieces. Puis n'hésitez pas à nous écrire sur Facebook. Euh, si jamais vous voulez mettons un release de jeu, euh, tu sais comme un, un jeu qui est pas sorti et que vous, vous, euh, ou bien qui s'en vient puis vous voulez vraiment d'avoir une une, une précommande parce que vous voulez l'acheter chez nous au lieu d'aller chez Best Buy ou uh, EB Games, let's do it. Euh, vous encouragez lequel en faisant ça On yeah. va nous faire plaisir. On est très flexible. Yeah, pour ceux qui le savent Donc, pas, Max travaille chez Soudan Cassette là, Je pense que tout yes. le monde. <laughs> Everyone in their fucking mom knows that. Mais juste pour ceux qui le savent pas. Préciser. Puis si justement vous voulez euh, acheter Monster Hunter Rise suite à la critique qu'on vient de vous faire, nothing better than buying itative dans la cassette, man. Si on revient maintenant à notre score ou à la critique pour Monster Hunter Rise, on donne un score collaboratif de 8.5 sur 10, mesdames et messieurs. Pour ma part, moi j'ai l'impression d'avoir à peine euh, exploré le plein potentiel de Monster Hunter Rise jusqu'à présent. Puis c'est tout à fait normal euh, pour un, un joueur comme moi. Là. Même s'il si y a vraiment un gros sentiment euh, intimidant au début de l'aventure, le jeu fait quand même un bon travail d'apprentissage et d'innovation pour faire rayonner justement les moments d'excellence qui justifie pourquoi la série est autant populaire. Il y a une raison pourquoi ils ont chupé 4 millions d'unités de Monster ouais. Hunter Rise. T'sais. Ça, c'est autant pour les nouveaux joueurs que les vétérans de la série. C'est un, un jeu de rôle rempli de technicalité puis de profondeur qui vous captivera pendant des dizaines, si ce pas des centaines d'heures. Pour moi, ça n'a peut-être pas encore cliqué à 100%, mais je peux vous garantir que je reconnais le potentiel, puis que je sais que ça donne de quoi de remarquable une fois que c'est apprivoisé. Fait que, yeah. Ouais. Any last très words, cool. uh, Max, sur ben, uh, ben, Monster très Hunter cool, Rise? Comme, comme t'as dit, score collaboratif. Fait que toi, c'était plus un 8. Moi, c'était plus un 9. La raison pour laquelle ça perd un point, moi, c'est que je sais qu'il va y avoir une expansion qui s'en vient qui va sûrement grandement améliorer le jeu encore mm -hmm. plus. Moi, un Monster Hunter qui sort à 40 monstres, euh, c'est très basique. Les, les Ultimate donnent tout le temps un, un 50 monstres de plus quasiment. Fait que, tu sais, je veux dire comme, le jeu va devenir probablement mon favorite game de 20... De, 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 sur la Switch, ever, la journée qu'on va avoir la first expansion, so far, it's really up there. Je te dirais, c'est dans mon top 3 euh, favorite game sur Switch. Fait que, yeah, that, that, that's it, that's all, man. Très content d'avoir fait ça avec toi. Je pense que c'était une critique ou que ça faisait du sens oui. d'avoir le point de vue d'un old man Logan puis d'un new, uh, newcomer. Là. Fait que, yeah. exact. Très Exact. Puis, cool. euh, si jamais vous voulez en savoir plus sur mes impressions euh, du jeu principalement de mon côté là, il va y avoir la version écrite qui va être disponible sur mon blog suite au stream d'aujourd'hui fait que uh, yeah. merci Max d'avoir euh, assist... m'avoir assisté pour cette critique comme t'as dit je pense qu'il y, avait... y avait personne d'autre est-il de mieux euh, de mieux suited for the job man fait que uh, yeah. yeah il y aurait eu, il y aurait eu euh, Red ou GSF que je leur aurais la... laissé le spot That's yeah. it, <laughs> mais c'est ça hey, c'était la ça, plus oui. longue à date vu ah hey, ça, dude, on a quasiment fait une heure j'ai manqué de B-roll man j'ai dû euh, rejouer le même footage man <laughs> de, de le badge genre pour voir la fin et oui anyway, c'est Doom je m'attends pas à un big ben quoi que le, le, le reveal à la fin est quand même important je pense que ça, ça ça va mm -hmm. setup pour le prochain justement Doom qui va avoir aussi il oui. en pour un autre mais ouais non j'ai trouvé que il y avait comme un, un petit débalancement niveau du...